Et salut tout le monde, c'est Alpupus, on se retrouve pour un nouvel épisode de Awakening Experimental. Alors la dernière fois, on avait galéré à... en se promenant dans le Nether, on s'est fait buter plusieurs fois. On a fini par s'en sortir, récupérer notre stuff et tout ça, et on a fini sur des petites quêtes tranquillou. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les quêtes, on va essayer d'avancer un petit peu sur, sur les machineries et tout ça, sur d'avoir un petit peu plus d'équipement. Mais avant toute chose, on va... récupérer toutes les quêtes qu'on avait. J'ai fait plusieurs quêtes plus ou moins par hasard pendant que je minais, pendant que je farmais. Alors le Forging Hammer, on l'avait fait la dernière fois. Je savais bien qu'il y avait une deuxième quête où je retrouvais le Forging Hammer. C'est celui-là. Donc let's go, common loot bag, let's go. Ensuite, si on reprend du début, on avait ici. J'ai continué à faire quelques graines qu'on va récupérer rapidement ici. Alors si on les fait. On va les avoir, tac tac tac, ça va nous faire quelques loot bags, hein, évidemment. Ça va être plaisant à ouvrir. Ici, je me suis fait les Industrial Hemp, on les a finis ensemble, enfin on les a finis, enfin je les ai finis la dernière fois. Ici, j'ai récupéré du Karmat. Ouh, ça c'est sympa, Slimy Sapling, ça c'est sympa, un loot bag, et c'est parti. Ensuite, tout ça, bah, je les avais déjà tous, il a juste fallu que je les débloque tout simplement. Donc ici, on va pas se poser de questions, à chaque fois on va se prendre le loot bag, on va même pas se poser de questions. Tac, je regarde rapidement ce qu'il y a en même temps, mais ça va plutôt pas trop mal. Lime Flower, ça je pense que je l'ai déjà. Ember, de la gunpowder. Voilà. La seule exception sera si j'ai des graines qui me sont proposées à la place du loot bag. Mais je crois que voilà, je crois que c'était pas le cas. Ici, pas de problème. Ici, rien, rien, rien. Et rien, rien, rien. Et rien, et rien. Ok. Voilà. Donc là, on a un paquet de matos. Ici, slimy. Ensuite, on a ça. On a le conductive iron qui s'en va ici. Pardon. L'iron, le conductive iron. On a du saphir, on a de snake stone. Ça, c'est de la. C'est du bloc, du bloc, du bloc, du bloc. Ephraim drawer. On continue. De la clay, j'en ai ici. Magenta lamp, on va la foutre dans les blocs ici. On continue. Gunpowder. Du bois. Ici, on a encore du bois. On a du salt block. L'onyx chestplate. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Non, pas vraiment. Bah, l'onyx chestplate, elle va aller avec les copines. De ce côté-là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du lignite. Ouais. On va se prendre un silver. Un copper chest. Qui va nous servir pour les loot bags. On va le mettre ici. Voilà, comme ça on aura du stock pour mettre les loot bags. Mystical, on va aller faire un tour vite fait. Foutre-les. Alors là, j'ai plein de Mystical Flower. Ça, c'est sympa. Voilà, j'ai mon quatrième Mystical Lime. Ça, c'est un peu dommage. Black Curtain, j'ai tout. Oh, ok, j'ai tout sorti. J'ai plein de Blackout Curtains. Qui vont me permettre d'avoir du Dark Glass. Ça va être pratique quand on va faire la ferme à mob. Et let's go! On ouvre tous les loot bags et on regarde ce que ça donne. Alors, un deuxième Ender Pouch. Pas franchement utile, sauf si. Ouais, pouaf. Pas franchement utile. Du leather, ça c'est cool par exemple. J'en avais quelques pas, j'en avais mis. Voilà, j'en ai 5 maintenant, ça commence à être pas trop mal. On a de la Nether Brick, ouais, Dimensional Shard, ouais, des torches, pourquoi pas. Un piston, ça fait toujours plaisir. Oh, j'ai plus de place, hein, ça commence à être un petit peu le bordel, boxon, bazar, tout ça. Les boules ici, j'en ai 3. Voilà. On va mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a du Lumium, ça c'est sympa le Lumium. Black Lotus, les Mystical. Ça, ouh, Block of Iron, ça c'est sympa. On va les ranger. Ok, c'était le cochon que j'avais vu. Petit coup de stress, on va dormir.
On s'en va ici. Hop, on verra ça un peu plus tard. Black Lotus, on le laisse avec. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a de la bouffe ici. Du Nether Quartz. Ah, le quartz, on va pouvoir le mettre avec les copains. La bouffe, on la fout à cuire. La redstone ici. On a de la bouffe encore. Et l'Under Pouch, on va la laisser là pour l'instant. Ça, ça me sert à quoi? C'est Block Update Detector. BUD. Ah, Bad Switch. Ouais. Ouais, bof, pas très utile en réalité. Flux Blaster. Provides power to all block up to beat block in front of it. Ouais, bof. Bof, 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 tout ça. Ok, bon, c'était pas terrible. On va bouffer, on va déposer la bouffe en bas justement, ce qu'on a en bouffe. Et on va avancer sur la suite des événements. Hop, ça, on va prendre ça, ça et ça par exemple. Pour pouvoir se refaire une petite veggie salade. Parfait, et ici, très bien. Donc ici, si je fais ça, je me remets à jour. Et ah oui, le sel. Le sel, on va le foutre ici. Parfait. Donc, revenons-en. Comme je disais, on va essayer d'avancer sur les quêtes aujourd'hui. Surtout sur les quêtes d'équipement. J'avais repéré... Ah oui, si, si. Petite chose. Avant d'avancer sur les quêtes, il y a ça dont je voudrais vous parler. Les sprinklers. La quête des sprinklers, ici, il y a un problème. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué item placeholder partout, avec plusieurs choses. Si on regarde le original ID de ces quêtes-là, on a Sprinkler, Water Tank de AgriCraft, hein, évidemment, Water Channel Full, Water Channel rien du tout, et Channel Valve. Le problème, c'est que si je vais regarder, dans AgriCraft... AgriCraft ici, bah j'ai aucun de ces items là, j'ai pas mon sprinkler, j'ai pas mon channel, j'ai pas rien du tout. Si je vais garder mes channel, j'ai pas mes water channel, water tank, j'ai pas mon water tank, bref, j'ai rien du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout simplement... Bah me give cette quête parce que malheureusement on peut pas y faire grand chose. Je vais juste vérifier, ici on a des water tanks ici. D'ailleurs question, est-ce que ça les prend en compte? Juste pour voir là. Ouais, il a trouvé des water tanks. Le problème c'est que ce water tank là, pas sûr que ça fonctionne. Alors je vais juste faire rapidement. Je vais faire un backup de ma map. Je veux juste voir ce que ça donne ce truc là parce que je suis quand même curieux. Ok, non, on fera ça plus tard. Je vais me give ces affaires là parce que on peut malheureusement pas faire mieux. Donc pour valider la quête. Pour valider la quête, on s'ouvre au LAN pour pouvoir avoir l'accès en mode administrateur. On fait BQ admin complete. Et si je me trompe pas, c'est la quête numéro 8. Voilà, Completed Quest Sprinklers for El Pupus. Comme vous pouvez le voir ici en bas. On a donc validé cette quête là. Et on va prendre le Commonwealth Bag. Est-ce que je peux... Ok, je le valide. Et voilà, parce que malheureusement je ne pouvais pas faire autrement. On va prendre le Loot Bag, on va l'ouvrir ici. Ce qui nous donne... Je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il m'a donné, mais ça avait pas l'air bien fou. On a un deuxième mana spreader, ça c'est cool. On va le mettre avec les copains là-haut. Et on a des bananes. Ouh, bananes très cool parce que bananes très. Un fruit en plus. Comment je fais les bananes? Usage. La banane. Shapeless crafting. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il me faut un jungle sapling. Il me faut un jungle. Est-ce que j'ai un jungle sapling, moi? Tuopa. Poplar. Non, j'ai pas de jungle sapling, malheureusement. Donc, ici, on va garder ça. On va garder une banane. Et les autres,
On a dit, celle-là, elle sert à quoi? Je peux faire un banana split, ouais. On peut se faire plein de trucs super chouettes. On peut se faire un banana milkshake avec de la snowball puis du lait. On peut se faire des fruit salades, évidemment. On peut se faire un fruit punch. Banana smoothie avec une snowball. Et voilà, c'est pas mal tout. Donc les bananes, on va les mettre en bas. Avec les copains là-haut. Et on y va. Donc, cette fois-ci, ça y est, on démarre les quêtes. Puisque celle-là est validée. Qu'est-ce qu'on a comme quête autour? On a le Watering Can. Watering Can, si je me trompe pas. Watering Can, il est compliqué à avoir. Oui, il me faut la Rune of Water. La Rune of Water, il me faut le Runic Altar, que j'ai pas encore. Donc ça, on verra éventuellement. Peut-être un peu plus tard dans l'épisode, si on est chaud. Farming Station, tout ça, bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Il nous faudra de l'énergie qu'on n'a pas encore. Greenhouse Glass. Greenhouse Glass, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce que je fous la tête en bas? Greenhouse Glass. Glowweed. Ouais, ça je peux en trouver. Mana Glass, j'en ai. Sunny Quartz. Je peux en avoir. Et Silver Grate, c'est un bloc of silver. Techniquement, je peux faire du Greenhouse Glass. Sauf que j'ai pas envie de cramer mon quartz là-dedans pour l'instant. Donc, no. Surtout que ça me fait pas gagner grand-chose. Donc, on va avancer sur la quête suivante. Quête suivante, la dernière fois, on avait commencé à avancer un petit peu sur les chests. On va avancer, on va prendre le gold chest. Gold chest, il nous faut donc un silver chest. Silver chest pour faire du gold chest, ça nous donne 4 de gold, 2 de amber, puis 2 pistons. Des pistons, j'en ai un ici. Donc, pour faire un piston, il nous faut... 2 redstone. J'en prends pour en profiter pour prendre 2 de amber ici. Non. Merci. 2 redstone, 4 de gold, 2 d'iron, 3 d'iron même. Non, 2 d'iron. 2 de redstone et 2 de glace et 3 de bois et de la cobble. En veux-tu, en voilà. Donc 1 2 3 4. Du bois, 1, 3, de la vitre, du glass, on en prend 2, et donc voilà. Techniquement, je fais ça, bam, le cerveau ici, et techniquement, si je fais ça, bim, gold chest, bam, valide. Alors... Ok, il le valide, mais il le... Ok, on va reprendre le quest book, là. Je crois qu'il y avait... Au début... Recover Lost Quest Book... Non, Force Quest Resync. On va juste le laisser valider. Est-ce que tout est beau, tout est bien resynchronisé, ici, ou comment ça se passe? Ok, donc ça je valide. Ça me donne un deuxième gold chest, un manganese block, ça c'est cool. Et un rare load bag, ça c'est cool. Donc, deux gold chests, je vais en ranger un évidemment. L'autre je vais le garder, ça je peux le mettre de côté. Le loot bag m'a donné une framing table, ce qui est de la merde, puisque j'en ai genre deux déjà. Ouais, c'est ça, j'en ai déjà. Est-ce que je peux les stacker les framing tables? Tout à fait. Et... Grey wool, ouais, c'est pas terrible. Manganese block, ok. Manganese rune, je peux pas la. Ok, je peux pas la. Ok. Ensuite, si je veux faire un diamond chest, il me faut du mithril. Ah, du mithril, par contre, j'en ai peut-être pas encore. Il me semble que j'en ai aperçu. Oh, je suis à quel niveau de... Mais oui, je pense que je peux atteindre le mithril. Il faut que je descende dans la mine. On va aller regarder vite fait. Je vais regarder vite fait dans la mine si je peux. Mais j'en ai pas du mithril ici, non. Ok, j'ai pas de mithril. Je vais aller regarder vite fait dans la mine si je trouve du mithril. Et si j'en trouve, tant mieux, on continue. Sinon, on passera à autre chose. Bon, j'ai trouvé du mithril. On va pouvoir avancer. On va le mettre à cuire. Let's go. Je vais en mettre juste un... Est-ce que je vais en mettre juste un? Ouais, juste un, ça ira. On va pas se casser la tête pour l'instant. Je vais le ranger le reste ici. Mon gold chest est ici. Alors, j'ai buté un gros vilain qui a failli me one-shot. Heureusement que j'avais mon armure, sinon c'était fini pour moi. Et il m'a droppé un petit Legendary Loot Bag. Dans le Legendary, j'ai
7 pistons, ça c'est cool. Des greenhouse glass, parfait. De l'opsy et de l'iron. Ça c'est plutôt sympathique en réalité. Donc là, si je fais, si je pose ça, mon opsy, je l'ai ici. Et je crois que j'avais déjà du greenhouse glass. Donc techniquement. J'ai l'impression qu'il valide plus mes trucs. C'est quand même con, hein. Ouais, il y a petit problème de synchronisation de mes quêtes, mais c'est pas grave. Ça veut dire que bah, ça, je l'ai validé sans même avoir eu besoin de le faire. Dex Chicken Curry. Alors celui-là, c'est ultra méga violent comme bouffe. Oh la vache, ça fait ça me rend tout en fait. Basiquement, c'est plutôt efficace. Et on a notre Uncommon Loot Bag, de l'Iron et du Purple Dye. Ça c'est pas mal. Ok, donc ça c'est rangé. On a le mithril. Il nous faut du diamant 4. Il nous faut 2 pistons. Ils sont où mes pistons? Ils sont là mes pistons. Et donc ici, bam, Diamond Chest. Et il valide plus mes quêtes. Hein. Ah ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu chier ça. Est-ce que tu veux bien me les resync? Reload. Ah là là. Green. Ok, bon. Ça marche pas manuellement, donc on va. Tant pis, enfin, ça marche pas automatiquement, donc on va manuellement détecter et claim. Voilà. Oh, j'ai gagné une aura node. Ça, c'est cool. On a un Legendary Loot Bag, des Iron Chests, des machins. On va y aller avec le Legendary Loot Bag. L'aura node, on va le laisser ici pour l'instant. Il nous servira plus tard. Le Loot Bag nous donne plein de redstone, ça c'est cool, du gold, de l'opsy encore, et un pumpkin pie, c'est pas mal. Un peu de bouffe, ça fait plaisir. Alors ici c'est quoi, spinal seed? J'ai la nether wart que je pourrais déjà faire pousser en réalité. Il y a peut-être moyen. Ok, alors, dans le paquet ici, on va pouvoir foutre... En réalité, on va... Bon, on verra ça plus tard, je ferai un peu de rangement, un peu plus tard. Pour avoir de la place avec mon bordel, parce que là ça commence à être un peu n'importe quoi en réalité. Ok, ça c'est fait, on a validé ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'obsidian chest, ah bah oui, évidemment. Obsidian chest, il se trouve ici, l'obsidian chest et un diamond chest avec de l'obsidian. Facile, donc on va se prendre un diamond chest, qui est ici, avec 8 d'obsidian. Voilà. Et bam! Alors j'ai du gold lingot, je sais plus ce qu'il fout là. Mais j'ai récupéré mon obsidian chest. Évidemment, il l'a pas validé. On récupère ici. Ouh, 2 hydron geas, donc ça c'est cool. Et bam, le rare loot bag. Blaze powder, cinnabar, coal, ça c'est sympa. Non, ça pas là. Non, pas non plus. Ça, parfait. Hydron geas, on va les ranger à Botania avec son copain. Voilà, on a 3 Hydron Geass, on va bientôt pouvoir commencer à faire de la mana avec les Hydron Geass. D'ailleurs, en parlant de mana, on va juste aller dropper des petits blocs de charcoal. J'ai farmé un peu de mana, alors j'en ai toujours pas énormément, mais j'ai de quoi avancer un petit peu si on veut sur Botania. On va descendre... Oh, j'ai 2 Obsidian Chests, ça c'est cool. On va descendre, déposer la bouffe. Hop là, voilà, on range ça, ça c'est pas trop mal, si on regarde ici, j'ai de la bouffe, pas de problème, ici, je regarde mes graines pour les faire avancer, on va bien, on va se rapprocher tranquillement des prochaines quêtes. Bon, non, c'est pas ça que je vais faire, voilà, c'était ça que je voulais faire. Comment ça se fait? Probablement parce que... Ouais, c'est ça, j'en avais un qui était ici. Ok, prochaine quête. On pourrait se faire le vacuum chest. Est-ce qu'on se fait le vacuum chest? Vacuum chest. Tanzanite.
J'ai pas de Tanzanite, je crois. Puis j'ai pas de Pulsating Iron. Puis j'ai pas de Vacuum Hopper. Ok, bon. Donc, non, pas le Vacuum Chest, clairement. Drawer, il me faut le Drawer Key. Drawer Key. Drawer Key. Il me faut ça. Pour faire ça, il me faut n'importe quel stick et les Frame Drawer. Le Frame Drawer, j'en ai un des Frame Drawer, je pense. J'en ai ici. Un Frame Drawer. Des sticks, on va en faire d'autres. Tac, voilà. Voilà, excellent. Et on a dit, il nous faut 2 gold, 1 gold nuggets. 2 gold et 1 gold nuggets, parfait. La clé. Bam. Bon, mais est-ce que on va essayer. On va essayer vite fait un save and quit pour voir si ça va régler notre problème de quête qui se valide plus. Si je regarde mining and equipment. Ça a pas l'air d'être beaucoup mieux, hein. Cela dit. Bah c'est déjà réglé en tout cas. On valide ici, on va gagner. Oh, Controller Slave, Redstone Upgrade. Ça c'est cool. Ça veut dire que avec le Controller Slave, je crois que je vais valider une autre quête. Qui ne veut pas évidemment valider automatiquement, parce que sinon c'est pas drôle. Pink Slime. Enchanted Soil. Ah, Enchanted Soil, ça pourrait être nice. Mais l'Enchanted Soil, je pourrais aller en faire un peu plus tard, donc on va pas se casser la tête avec ça. Voilà. Petite ellipse, on a eu un petit souci avec l'enregistrement. On reprend donc. Prochaine quête, c'était. On a le Compacting Drawer si on veut. Ça, on n'y est pas encore. Le Filling Cabinet. Est-ce que le Filling Cabinet, on peut se faire quelque chose avec? C'est parce que c'est pas toujours très. Filling Cabinet Advance. Ah, bah ça, c'est facile. Ça, on peut le faire. Le Filling Cabinet, c'est facile. 1, 3, 4, 5, 6. Parfait. Il me faut 3 chests. Des chests, j'en ai. Largement. Voilà. Bim! Filling cabinet. Et mes quêtes ne veulent toujours pas. Hein. On est bien d'accord. Console command. Use if issues occur. Ouais. Bon, ça marche pas. Mes quêtes sont plus fonctionnelles. On verra si en relançant le mode pack ça fonctionnera, mais pour l'instant c'est un peu la même merde. Le filling cabinet, je vais pas m'en servir pour l'instant. On va le laisser de côté. On va revenir à notre mining and equipment. Filling cabinet, il est ici. Ah bah oui, mais si je le vire, il va pas me le détecter hein, réellement. Voilà, là c'est valide. Item conduit speed upgrade. Valide-moi le mithril. Dunder.io. J'en ai du mithril, voilà. Merci. On va se prendre le loot bag ici. Mithril chestplate, envoie donc. Ça, je range. On a du melon. Hop, il est où ma. Ah oui, en passant, je me suis fait des. J'ai enlevé ma. Enfin, j'ai mis ma matoque. J'ai rangé ma matoque en réalité. Et je me suis fait des. Une pelle et une pioche. Non, une pioche et une. Je vais y arriver. Une pelle et une hache, parce que ça me permet de miner plus efficacement. J'ai un peu moins de place dans mon inventaire, mais j'ai plus d'efficacité. Ce qui est très profitable en réalité. Continuons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Flower pouch. La flower pouch. Flower pouch. Ça, c'est quoi? Focus pouch. Pack. Ça se fait facile. 5 de laine. Oups là, où je vais? Excusez-moi. 5 de laine. Et une petite pétale. Tain. Hop, hop, tac. Et la flower pouch. La flower pouch, elle sert à stocker les fleurs de Botania. Sauf que moi, les fleurs, je m'en sers pas. Je vais prendre juste les pétales, donc je le garde pas. Sauf que, évidemment, avec mon problème de synchronisation des quêtes, il faut que je le garde, que je fasse un détect. Je sors, je reviens, je l'ai maintenant. Du pop. Oh! Oh là là, c'est pas foufou comme. En même temps, c'était pas si compliqué que ça à faire. Donc,
Je comprends. Ça, Poison Ivy, ça sert à rien. Et le reste, on s'en fout. Ok, Poison Ivy. Poison Ivy, en fait. Ouh, un tank, ça c'est cool. Et des Brown Mushroom, ça c'est nul. Je dois l'avouer. Je dois avouer que c'est plutôt nul. Le tank, c'est bien. Ça me fera du stockage. Je pourrais d'ailleurs stocker mon XP dedans. Ce qui serait peut-être pas une mauvaise idée. Si je le mets ici. Est-ce que je peux XP Drain? Oui, ça existe, l'XP Drain. C'est des Iron Bars, tout simplement. Donc 1, 3, 4, 5, 6. On se fait ça tout de suite. Comme ça, on va pas avoir de problème. Voilà, l'XP Drain ici. Wow. Wow. J'ai l'impression que ça merde un peu, non? Ouais, curieux. Ok, on va laisser ça de côté. Je regarderai par moi-même, hors caméra, ce que ça va donner. Mais je pense qu'il y a des petits bugs avec le modpack. Ensuite, le monocle. Allez, on va pour le monocle. Le monocle, Manasio Monocle. Un mana glace, 3 gold nuggets, un mana steel. Ça se fait à l'aise. On va prendre un gold nuggets. Bam. Un mana steel. Il me faut du mana glace. Le mana glace est facile. On prend de la vitre. Et voilà. Facile. Et donc, facile. Nous avons le monocle. Toujours pas de validation. On a gagné un Black Lotus, ça c'est cool. Et un petit loot bag. Et du corp. Je sais pas ce que c'est. Le loot bag. Oh, 3 de cuir. Ça c'est plutôt apprécié. Parce que on se rapproche doucement, mais sûrement, des objectifs de ça. Alors le monocle, si je le mets là, déjà j'ai une meilleure classe. J'ai beaucoup plus de la classe. Et le monocle, il me permet de visualiser les zones d'effet de mes fleurs de Botania, ce qui est plutôt pas mal. Tac, voilà. On bouffe un petit morceau, on range ça, on range, on fait un petit dodo. Et voilà, on continue. Ensuite, ta-da-da. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si le... Ah ouais, mais le basic backpack, je peux toujours pas le faire, hein. En réalité, basic, on a dit 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en faut 12. Et là, actuellement, j'ai combien de leather? J'en ai 8. Ah! 9, 10. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque pas grand-chose, hein. Il m'en manque pas grand-chose, en réalité, parce que... Ça, je peux faire. Voilà, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Du string, je peux en faire. En réalité, si j'en fais un seul, ça suffira. Ok. Et donc là, il me manque juste deux leather. Et deux lasers, je peux aller les chercher en butant de la vache ou de la bestiole là-bas. Ouais, je vais chercher du laser en butant quelques bestioles et je reviens. Bon, alors, j'ai trouvé du leather, mais je me suis aussi ramené deux vaches en utilisant des safarinettes pour pouvoir régler mon problème de leather à plus long terme et surtout pour pouvoir me permettre de régler une autre quête. En fait, il y avait une autre quête qui était prévue. Avec les... en fait, où il fallait que je... J'apprivoise des vaches. Et ben, ce sera chose faite avec ça. Je vais agrandir un petit peu mon enclos. Parce que je sais que ça risque d'être un peu plus gros que prévu. Ça va pas être terrible. Voilà.
ou c'est vous, on va leur donner un petit peu à bouffer. Alors pour apprivoiser les vaches, il faut en fait avoir sur, il faut les nourrir sur 3 générations. À la 3e génération, on va arriver avec des vaches classiques de Minecraft, les vaches normales. Donc on va juste finir ça. Voilà. Voilà. Beau petit enclos. Impeccable. On finit ça. On range ça. On envoie ici. Ah, tiens, je vais prendre un petit chest ici. Où je vais mettre du blé. Voilà. Et on va finaliser notre petit back pack. Celui-ci. Si je fais ça, j'ai pas tout ce qu'il me faut. J'ai ça. Ah non, il me manque du fil. Voilà. Et là, si je le fais, cette fois-ci, on est correct. Donc, j'ai le backpack. Ce backpack qui est un petit peu plus gros. Et si je me trompe pas, celui-là, je peux le bind à une touche. Le backpack, on va le valider déjà. Ici. Pardon. Backpack 55-23/3. 55-23/3, c'est bien celui-ci. Main quest. Ok. Encore un qui marche super bien. J'ai l'impression que ça merde de plus en plus mon modpack. En réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se casser la tête. On va mettre ça de côté, le backpack on va le laisser de côté. En réalité, on va s'arrêter par ici. On constate que le backpack a été complété correctement. On essaiera d'avancer sur les augmentes de backpack. Le knapsack, c'est celui qui m'intéresse. C'est celui de Tinker, si je me trompe pas. On validera ces trucs là, on regardera un peu plus dans le prochain épisode pour continuer à avancer. Mais là déjà on a fait pas mal d'avance, en particulier sur Mining and Equipment 1. Et voilà, on verra, j'espère que je vais pas en avoir trop des problèmes de quête comme ça. Et j'espère que relancer le modpack ça va faire fonctionner. En attendant, je vais mettre pas trop près des vaches, mais pas loin quand même. Eh bien, c'est ici qu'on va s'arrêter avec mon superbe monocle et mon armure vert fluo. C'est ici qu'on s'est arrêté pour cet épisode de Awakening Experimental. On a avancé, comme je l'ai dit, pas mal sur nos équipements, sur les chests en particulier. On avance un petit peu tranquillement. La prochaine fois, on essaiera d'avancer peut-être un peu plus sur les modes magiques, peut-être Botania éventuellement ou quelque chose comme ça. On verra. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. J'espère que vous aurez pris du plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos commentaires, en commentaire justement. Ça m'aidera à progresser dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao.